Alors, tout a commencé d'après l'initiative d'un jeune dans le cadre en fait du financement de son permis de conduire. Ce projet, c'était embellir un peu la partie de l'abbaye pour la rendre visitable en fait au moment des journées du patrimoine. Je suis membre de la Société d'Histoire et d'Archéologie, le Vieux Saint-Maur, et du coup j'ai proposé au Relais Jeunesse une initiative citoyenne donc, qui est celle du chantier ado, donc manuel et pédagogique à la fois. Le but des chantiers de l'abbaye, c'est que ce soit à la fois ludique et participatif. Alors aujourd'hui, désherbage, suivi d'ateliers pédagogiques, donc la visite de la tour Rabelais, et ensuite découverte de la maquette de l'abbaye, reconstituée à peu près fidèlement. Nous avons organisé pour la première fois depuis bien longtemps un petit chantier ouvert aux adolescents avec Relais Jeunesse pour commencer de mettre en valeur les vestiges de l'abbaye. Donc on secourt un petit peu avec l'aide des jeunes, ce qui va peut-être permettre de motiver un peu la population. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est l'ensemble de la journée, principalement la tour. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres chantiers. On a débroussaillé des broussailles. On a fini par visiter la tour Rabelais. C'est passionnant parce qu'en fait, le guide nous a expliqué comment c'était dedans, comment ils vivaient et tout. Le club ado, c'est top.